Bucarest, Radio Roumanie Internationale. Mesdames et messieurs, l'équipe de la section française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien intéressante qu'agréable, avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute! Info plus sur RRI, voici les titres du journal. L'OTAN est une organisation puissante sur laquelle on peut compter, a fait savoir le Premier ministre belge en visite à Bucarest. Le paquet de mesures sociales et économiques appelé appui pour la Roumanie annoncé par les leaders de la coalition au pouvoir se propose notamment à maintenir les emplois et à soutenir les personnes vulnérables. Et puis en Roumanie, le taux annuel d'inflation a grimpé de 8,53% en février à 10,15% en mars dernier. Ioana Stanciescu. Il faut accélérer les efforts à long terme pour renforcer la posture de défense et de dissuasion de l'OTAN, a déclaré le chef de l'État roumain Klaus Iohannis à l'issue d'une entrevue mardi à Bucarest avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. Et Iohannis a ajouté qu'il faudrait d'une défense unitaire cohérente et plus renforcée sur le flanc est pour obtenir un niveau de dissuasion encore plus efficace dans la région de la mer Noire. Un contingent militaire belge sous commandement de l'OTAN se trouve actuellement en Roumanie, a rappelé le président roumain, tout en remerciant le responsable belge pour cette preuve de soutien. Celui-ci a remarqué que la Roumanie et la Belgique sont des partenaires proches au sein des structures euro-atlantiques dont les rapports sont devenus encore plus serrés dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'OTAN est présente et on peut compter sur elle, votre frontière est aussi la nôtre et ensemble on la protégera, a conclu le Premier ministre belge. Le ministre roumain des Finances, Andrei Cucu, a déclaré que le paquet de mesures sociales et économiques appelé appui pour la Roumanie annoncé lundi soir par les leaders de la coalition au pouvoir visait notamment l'économie, le maintien des emplois, mais aussi l'appui des personnes vulnérables. Élaboré par le PSD, le PNL et l'UDMR, le paquet s'élève à 3,5 milliards d'euros. Parmi les mesures envisagées figurent des coupons alimentaires de 50 euros accordés tous les deux mois aux familles démunies et des coupons de 30 euros accordés aux plus de 150 000 élèves issus des familles pauvres pour qu'ils s'en achètent des aliments, des fournitures scolaires et des vêtements. Parmi les mesures proposées, notons aussi un salaire minimum brut de 600 euros dans l'agriculture et dans l'industrie alimentaire. En Roumanie, le taux annuel d'inflation a grimpé de 8,53% en février à 10,15% en mars dernier, constate l'Institut national de la statistique. Du coup, on constate une hausse des prix des produits non alimentaires, des aliments et des services. Les prix à la consommation ont augmenté de 1,9% en mars par rapport à février. Depuis le début de l'année, le taux d'inflation en Roumanie est de 4%. Dans ses prévisions pour 2022, la Banque centrale roumaine table sur une inflation de 11,2% à la fin du deuxième trimestre de l'année, de 10,2% à la fin du troisième trimestre et de 9,6% à la fin de cette année. La commissaire européenne aux transports, Adina Vălean, a participé mardi à une visioconférence avec les ministres des Transports de Roumanie, de République de Moldova et d'Ukraine. À cette occasion, le ministre roumain des Transports, Sorin Grindeanu, a affirmé que la Roumanie joue un rôle particulièrement important pour le transport des marchandises depuis et vers l'Ukraine et la République de Moldova et implicitement pour l'économie des deux pays. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, l'infrastructure roumaine, portuaire, ferroviaire, routière et aérienne, offre des voies d'accès vitales pour le transport des marchandises et des matières premières, a affirmé Sorin Grindeanu. Et lui d'ajouter que le renforcement des capacités d'opération dans le port roumain de Constanța à la mer Noire représente un soutien majeur pour la gestion du flux de marchandises qui vient de l'Ukraine via la République de Moldova. Plus de 72 000 personnes, dont 8 350 ressortissants ukrainiens, sont entrés lundi en Roumanie, selon la police roumaine aux frontières. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plus de 685 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Roumanie. Par ailleurs, plus de 250 000 personnes d'Ukraine ont reçu de l'aide de la part de la Croix-Rouge de Roumanie. Il s'agit de l'assistance humanitaire, des renseignements, mais aussi du soutien au rétablissement des liens de famille. Plus de 6 700 000 euros ont été ramassés jusqu'à présent dans le cadre d'une collecte de fonds lancée par la Croix-Rouge sous le titre « L'humanité n'a pas de frontières ».
Après l'Ukraine, la République de Moldova, voisine de Roumanie, a reçu le questionnaire de la Commission européenne au sujet de sa demande d'adhésion à l'Union. Ce document est une base pour les négociations d'adhésion et le premier pas d'un long processus qui devrait s'achever par le statut d'État candidat à l'adhésion à l'Union européenne accordé à la République de Moldova. La Roumanie insiste pour que les deux États voisins de l'Union européenne soient acceptés dans le bloc communautaire après l'invasion russe.